Dafayomi dans Mantechet et Ouvine aujourd'hui Daf Samer Vav. On va reprendre Daf Samer He, une vingaine de lignes. En fait, pratiquement au milieu de la Gemara, et vous allez voir un peu plus bas que le milieu de la Gemara, une vingaine de lignes par rapport au bas. Nous avons Resh Lakish, Vetal Mide, de Rabbi Hanina, Ikleu Lehu Pundak. Alors, nous allons prendre un cas. Il y a plusieurs cas qui vont se ressembler. On va les faire très très tranquillement jusqu'à ce que tout le monde comprenne, Bezrat Hashem. Qu'est-ce qu'on a appris dans notre Perek Hadar? Quand il y a dans l'endroit où on habite, dans le quartier où on habite, qui est composé de maisons et de cours et de ruelles, quand il y a un idolâtre qui habite là-bas, c'est un grand balagan. Parce que on n'aura pas le droit de porter de nos maisons à nos cours, ni de nos cours à nos ruelles. Pourquoi? À cause de la présence de cet idolâtre. Que faudra-t-il faire? Il faudra aller louer ou acheter son usufruit de l'utilisation de la cour ou de la ruelle. Et tant qu'on n'a pas fait ça, on est bloqué. On a vu déjà, les Chachamim ont dit, pour ne pas que, on fait attention, pour ne pas qu'on apprenne de leur conduite. Maintenant, on va apprendre des cas plus fins, plus précis. Par exemple, on va voir que la maison du Goy, elle appartient au Goy. Mais le goy l'a loué à un autre goy. Alors on va apprendre le maskir et le socher. Le propriétaire on l'appelle le maskir et le locataire on l'appelle le socher. La question est voilà, il y avait ici Rabbi Resh Lakish et les élèves de Rabbi Hanina. Non, Resh Lakish et les élèves de Rabbi Hanina. Ils se sont retrouvés dans un pundak. Un pundak, on traduit en général une auberge, c'est-à-dire une maison, il y a plein de chambres, ça donne sur une cour. Chacun, il loue la chambre et c'est comme une auberge, comme un motel en fait. Et je cherche où elle est la Gemara ici. 2 secondes, hein. J'ai pris la Gemara du Rav Zilber pour faire bien aujourd'hui, mais je ne retrouve pas où est-ce qu'il a mis la note là ici. Voilà, Resh Lakish et Talmide de Rabbi Hanina Iklaou Lehu Pundak. Donc il y a comme un motel. Et là-bas, il y a dans cette cour-là, il y a plusieurs juifs. Et donc ces juifs-là, déjà, avant même qu'on ramène l'histoire du Goy, ils auraient dû s'arranger avant Shabbat. Et en s'arrangeant avant Shabbat, ils vont pouvoir utiliser et sortir de la maison à la cour et de la cour à la ruelle, s'il y en a une. Et il y avait maintenant une maison, une pièce, elle appartient à un Goy. Et elle appartient à Igor. Et Igor, il a loué à Vladimir. Et Behemet. Veloava Socher, Vava Maskir. Maintenant, nous, on sait, dans les lois de la location, le propriétaire, il peut être propriétaire de l'appartement sur le cadastre, mais quand il l'a loué, l'appartement, en usufruit, il appartient au locataire. Et nous, ce qu'on doit faire, c'est acheter avant Shabbat, louer avant Shabbat, l'usufruit, le droit d'occupation et d'utilisation du goy. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Et velo va socher, vaya maskir. Oui. Mais par contre, le propriétaire était là. Amrou, maou le migar miné. Ils se sont posé la question, est-ce que maintenant, là, Est-ce qu'on pourrait louer de lui? Est-ce que ça nous arrangerait si on louait de lui? Alors la Gemara, elle nous dit, bon, d'abord il faut regarder quel est le contrat de la location. Parce que quand les chadelo massimesalek les lotibay les chadelo de loigarn de la grina. Et si jamais on est dans un type de location où Behemet, le propriétaire, tant qu'on n'a pas fini l'échéance, par exemple la fin du mois, il ne peut pas renvoyer le locataire. Donc, quand on se trouve maintenant devant le propriétaire, ça nous aide en rien, parce qu'on ne va rien acheter de lui, puisque l'utilisation de la cour et de la rue, elle n'est pas à lui, elle est à son locataire. Donc, ça ne sert à rien. Donc, ce n'est pas la peine de te poser la question dans ce cas-là. Qui tibaou, par contre, là où vous pouvez poser la colle, echad ematsim et salek le. Il y a certains contrats de location où le propriétaire, il garde le droit de dire, écoute, tu es chez moi, mais si je te dis le matin de partir, l'après-midi, tu quittes. Bon, d'accord. Alors là, Maï, alors là maintenant on va réfléchir, là c'est une belle question. Étant donné que, Nahon,
Là, il n'y a pas le locataire. Mais je n'ai pas besoin du locataire, puisque quand je parle avec le propriétaire et j'achète de lui le droit, alors lui, il a tous les droits, puisqu'il peut chasser il peut chasser son locataire. Ou alors, je vais dire non, pas du tout. Odilma Ashtamia. Allo Silke. Oui, d'accord, mais ça, c'est une possibilité. Mais là, maintenant, techniquement, il ne peut pas le renvoyer. Il n'a pas renvoyé maintenant. Alors, qu'est-ce que ça me dérange qu'il puisse le faire? Pour le moment, il y a un locataire. Et moi, je devrais parler avec le locataire. Amar Lahen Resh Lakish. Alors Resh Lakish leur a dit un coup extra. Niskor, ou les Nishalaem. Viens, on va faire comme ça. On n'a qu'à louer de cet homme-là, qui est le propriétaire. Et quand on ira chez les Chachamim du Sud, on leur posera la question. Waouh! Alors, qu'est-ce que c'est ce cas? C'est un cas extraordinaire. Depuis quand est-ce qu'on peut faire quelque chose avant de demander et après aller demander? Alors, on a vu hier plusieurs réponses, Béhémeth. On a vu plusieurs réponses. D'abord, Resh Lakish, il a le droit d'être sommaire sur sa chokhma. Pourquoi? Parce qu'il doit savoir que Béhémeth, c'est comme ça. Sauf que, comme il est avec les élèves de Rabbi Hanina, il n'a pas voulu. Deuxième réponse, peut-être, c'est ici, nous sommes dans un dîn des Rabbanan. Oui, peut-être dans un dîn des Rabbanan, quand on ne peut pas faire autrement et qu'on a besoin des chatmas, et on peut faire comme ça. Et troisième réponse, et celle-là, c'est la plus forte, c'est que on a appris un principe dans Eruvin, Alacha kedivra mekel beiruv. Eruvin, tous ces Eruv et Chatzerot, d'après la Torah, nous sommes ici dans un Rishut Hayachid, la Torah, elle a dit de rien faire ici. Les Chachamim nous ont dit oui, mais tu sais, ça ressemble quand même. Tu sors de chez toi, tu vas dans un domaine un peu commun, la cour, la ruelle, on a peur, ok. Alors là-bas, dès qu'on peut dire la coula, on va dire la coula. Alors ils ont appliqué ça dans le Safek. Parce que c'est, il faut réfléchir. C'est rare qu'on ait le droit, comme on a dit hier, c'est rare qu'on ait le droit d'aller manger là où on veut. Et on dit, regarde, Yosef, une fois qu'on a fini le repas et le Birkat Amazon, on ira au Badat Seda Haredit pour voir ce qu'ils disent de ce restaurant. On fait pas ça. D'abord, tu demandes, tu peux pas savoir comme ça. Alors ici. Ici, la Sheila, elle était, est-ce qu'on peut louer de lui? Ça, c'était comme ça. Et quand ils ont été, le Keshagia, et c'est le Rabotinu Shibedarom, Nishalaem, Hatushaïl et Rabbi Efes, ils ont été demandés à Rabbi Efes, et Amarlaem, Yafeasitem chez Sachartem, Chazak, c'est très bien ce que vous avez fait, c'est très bien ce que vous avez fait. Cette solution-là, elle est bien, parce que dans la mesure où Béhémeth, le propriétaire, il peut dégager le locataire quand il veut, la personne avec qui on doit parler, c'est plutôt le propriétaire que le locataire. Nahon, normalement, il faut le locataire, et là, il n'était pas là, normalement, vous étiez bloqué. Mais c'est bien comme vous avez fait. Oui, c'est une discussion très intéressante. Normalement, on doit parler avec le locataire. Maintenant, qu'est-ce que ça fait comme nafkamina? Ça fait une nafkamina très intéressante. Imaginez maintenant, vous connaissiez, voilà, il y a dans l'immeuble, venez, on réfléchit 2 minutes, on est dans l'immeuble, il y a un propriétaire, il y a des juifs, on est Samerhe Amoudbet, presque en bas, et il y a un propriétaire, vous le connaissez, bon, ça va, Baruch HaShem, c'est un monsieur, il est pas juif, mais vous savez très bien vous arranger avec lui, vous lui dites, vous savez, on voudrait se réunir comme ça, nous les juifs, pour pouvoir porter dans la cage d'escalier, etc., et dans la cour, ça nous intéresse, oui, monsieur Chouraki, oui, monsieur Bami, bien sûr, mais vraiment, etc. Sauf que, il loue son appartement sur Airbnb, là. Maintenant, vous avez un artiste italien, ouais, ah, mais il n'est pas question du tout, et il veut pas. Alors maintenant, tu dis au monsieur gentil, le propriétaire, tu lui dis, dites-moi, vous ne pouvez pas me le renvoyer, là, ce japonais, là, antisémite? Il dit, ah, monsieur, les contrats sont sévères. Tant qu'il est là, je ne peux pas le renvoyer. Donc, avec qui je dois parler? Je ne peux pas parler avec le gentil propriétaire. Je dois parler avec tous les japonais, là, qui me mettent dans son Airbnb. Ils vont pas vouloir. Et on est bloqué. Vous voyez le coup de Jack? À ce que Resh Lakish chez les élèves, ils ont dit, rien. Le locataire, il n'est pas là, mais le propriétaire, il est là. Alors viens, on réfléchit, peut-être on peut louer de lui maintenant pendant Shabbat. Alors on a dit, attends, regarde, viens, on révise. Si le propriétaire, il ne peut pas chasser le locataire quand il veut, il doit attendre la fin. Brechlal, ça sert à rien de parler avec le propriétaire. Tu veux négocier avec lui son droit d'utilisation de la cour, il n'est pas là. Et il ne peut pas bouger.
Par contre, quand on est dans un cas où il peut, oui, le renvoyer, est-ce que c'est bien si je parle avec le propriétaire quand même? Ou est-ce qu'il fallait absolument le locataire, mais le locataire, il n'est pas là? Alors on a discuté un petit peu. Après, on continue, il y a la même histoire, presque un peu en bas de la page. Rabbi Hanina bar Yosef, Rabbi Chiya bar Rava, Rabbi Yaseh, Ikle Uleahu Pundak, même histoire. Il se retrouve dans le Pundak, dans l'auberge, dans le motel, il y a des chambres, il y a des, et ça donne sur des cours, et il y a des juifs, et normalement les juifs, ils doivent déjà faire le Hérouv entre eux, mais maintenant aussi il y a un goy. Alors qu'est-ce qu'on fait? Data nochi mar de Pundak beshabta. Bon, alors là, le cas, il est comme ça. Le propriétaire, oui, il est arrivé pendant le Shabbat. Aïe, 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 aïe. Tant qu'il est, l'avantage, il y a un seul avantage avec l'idolâtre. C'est que quand il n'est pas là, il ne nous embête pas. Parce que tout ce qu'on veut, c'est qu'il ne soit pas là. Maintenant, quand il est là, il nous gêne. Maintenant, si on a acheté son droit de passage et d'utilisation avant le Shabbat ou loué, on a fait quelque chose de fort. Il ne peut pas revenir en arrière. Mais l'idolâtre, ce n'est pas comme nous. Toi, quand tu as des voisins que tu supportes pas et qui sont partis, tu les as vus partir 2 heures avant Shabbat, ils vont à Ashdod, bah, au Hachem, tiens, Shabbat tranquille. Ils ne peuvent pas revenir, c'est Shabbat. Mais si c'est un goy, il vient quand il veut. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a profité du fait qu'il n'était pas là. Il avait une pièce là-bas. Elle était vide. C'est pas le cas qu'il a loué un autre Airbnb. La pièce était vide. Mais il nous revient maintenant en plein Shabbat. Aïe, 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 aïe. Quand il revient, C'est il... quoi une partie commune, c'est la pièce? Oui. Tout, regarde. Imagine un village vacances ou un motel. Il y a plein de chambres. Et on est plein de juifs. On a toute une famille. Là, tout le jour, on est venu. Et on veut faire un hérouv. Comme ça, nous, on peut sortir avec les enfants, dehors, dans le petit jardin, on peut sortir les livres, on peut amener le Sefer Torah, on peut faire la choule. D'accord? Oui, mais maintenant, il y a aussi un goy dedans. Ah, alors avant Shabbat, là, la halakha, il fait qu'on aille chez lui, et on doit essayer de le convaincre qu'il nous loue son droit d'utilisation, sa propriété, de telle manière qu'il ne nous bloque pas. Maintenant, quand il n'est pas là, c'est bien, parce que quand il n'est pas là, Chazak, il n'est pas là. Et qu'est-ce qu'il fait s'il revient au milieu de Shabbat? Alors quand il revient au milieu de Shabbat, on veut savoir, dis-moi, tu crois qu'on pourrait lui louer là maintenant pendant Shabbat? Alors ça, c'était la question. Amrou, Maou le Migarminé, est-ce que tu crois qu'on peut louer de lui maintenant? Oui. Et alors, pour ça, il faut faire une autre technique. Parce que quand on aura loué du goy, on aura gagné un point. Mais comme nous, on n'avait pas fait le Hérouv, et qu'on a un souci dans le Hérouv, alors on fait comme ça. On va utiliser la Koula de Rabbi Eliezer Ben Yaakov, et on va dire que un goy avec un seul juif, ça va, c'est pas grave, il nous empêche pas, et on va faire la technique qu'on va tous se mettre chez un des dans le village vacances, on va tous dire avant Shabbat qu'on habite chez le juif. Donc ça fait un goy, un goy, un juif, ça va, Samerhem ou Udbet, tout en bas. Vous avez compris le coup? On fait en 2 étapes. Le goy, il a son appartement, il revient. Alors quand il revient, il nous casse tout notre hérouf. Alors, dis, regarde, viens des gens, on loue de lui. On va voir si on peut le faire Shabbat, mais pour le moment, on imagine que oui. On le loue. Et après, tu sais qu'est-ce qu'on fait? Il y a maintenant un goy, un juif. On dit, oui, on n'est que un. Il dit, comment ça, vous êtes 5 familles? Il dit, non, on habite tous chez Ilan. On a fait le hérouf avec Ilan. Bon, d'accord, ok. Tu vois comment on va faire? Alors, on va faire plusieurs techniques. Alors, socher ke me'arev damé. Alors, on va dire comme ça. Dis-moi. Pardon, excuse-moi, Ouais. excuse-moi. Un goy et un juif, on n'a pas besoin d'acheter. Oui, on va essayer. Mais là, on n'est pas un goy, un juif. On est plein de juifs Mais et un goy. dans le cas où tu as présenté, Oui. où on s'est tous mis chez Ilan, on Oui. a un goy et un juif et on n'a pas besoin d'acheter. On n'a pas besoin de... Non, ça, c'est la solution. C'est pas comme on a fait au début. C'est comment on va faire maintenant pour essayer d'arranger. T'as compris? Une fois qu'on a arrangé, on est arrangé. Mais la question, est-ce qu'on peut? Est-ce que ça commence par louer de chez lui? Est-ce que tu crois qu'on a le droit de faire ça? Et la question, elle demande comme ça. Un socher, c'est comme mais un rêve d'amé. Arrête, quand on fait le hérouv, on a vu, il y a déjà beaucoup d'halakhot, notamment qu'il faut le faire avant Shabbat. Un hérouv, ça se fait avant Shabbat. On ne fait pas un hérouv pendant Shabbat. Alors, ma mea rêve mi beodium, af socher mi beodium. On va dire de la même manière que celui qui fait le hérouv, il faut qu'il le fasse avant que le Shabbat ne rentre. Mi beodium. Alors, de la même manière, oui, le socher, quand on va maintenant se débrouiller pour obtenir le droit d'utilisation du goy, oui, eh ben on va le faire de la même manière. Et donc, ça marche pas pendant Shabbat. Donc, on est coincé. Odile ma socher, qui me va-t-elle rechoud d'amé? Ou alors, peut-être qu'on va dire non. Le socher, quand tu viens louer
du goy, c'est pas comme si tu étais dans la scène où tu fais le hérouv avec les autres juifs. Non. Ça ressemble à un autre cas. Un autre cas, c'est que quand on est juif, avant Shabbat, il faut tous qu'on fasse le hérouv ensemble. Maintenant, s'il y a un qui a oublié, il a mis tout le monde dans le pétrin. Il fait, mais on devait être tous ensemble. Mais tu comprends. Mais pourquoi tu fais ça? Tu nous as bloqués maintenant. Alors, il a le droit, même c'est très sympa s'il le fait, il est mevatel rechuto. Il va dire, écoutez, je renonce à mon utilisation, je renonce à mon droit. En deux mots, faites comme si j'étais pas là. Ça, on peut le faire pendant Shabbat. Mais faire le Hérouv, c'est avant Shabbat. Mais le Bitoul Rechout, on peut le faire. Alors l'Agma dit, quand on va faire cette technique-là d'aller louer du goy, c'est quoi? C'est comme si on essayait de refaire un Hérouv à zéro? Ouais, ben ça marche pas, on peut le faire que Erev Shabbat. Et donc c'est plutôt comme si, quand on achète la propriété du goy, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à plusieurs juifs ensemble. Il y en a un, il n'a pas fait le Hérouv, il bloque tout le monde. Il dit, bon, bah écoutez, je renonce à ma part. Voilà, moi je reste, j'utilise pas ma part. Comme ça, vous, au moins entre vous, vous pouvez utiliser. Alors, la Gemara, elle nous dit, Ma mevatel reshut afilu beShabbat, afsocher afilu beShabbat. Rabbi Hanina bar Yosef amar, nizkor. Il a dit, oui, on le fait. Et Rabbi Assi amar, lo nizkor. Rabbi Assi, il a dit, non. Et amar leu Rabbi Chiya bar Abba, nismor al divrei zaken. On a le droit de s'appuyer sur les paroles de Rabbi Hanina bar Yosef. Venizkor, et oui, on va pouvoir, oui, on va pouvoir louer. Elle a dit, oui, c'est très bien ce que vous avez fait. Béhémet, on a le droit de manière exceptionnelle de louer du goy même pendant le Shabbat. Bon, maintenant, évidemment, on ne peut pas toucher l'argent. Normalement, on n'a pas le droit de faire des acquisitions le Shabbat. De peur de quoi? C'est quoi la mélacha de Horaïta? Faire du commerce, c'est pas interdit d'après la Torah. Stam, tu parles, tu fais. Mais qu'est-ce qu'on a peur? Quelle mélacha de la Torah il va faire? Lequel des 39 travaux? Qu'est-ce que tu dis, Mordechai? Écrire, écrire. Alors, lire, alors c'est donner un cadeau, etc. Shabbat toujours. Pour le Bitoul, on n'a rien écrit pour toi. Non, Hazak Mehod, parce que un bitoul, c'est pas considéré comme un kinyan, c'est un renoncement. Ouais, mais il y a besoin quand même normalement d'écrire. Non, non, un Pour renoncement. couper ça, on en écrit. Non, là-bas c'est pas du tout un renoncement. Là-bas c'est une vente, gamour, ma pitom, super, super, super mechira. Oui. Alors, ben, qu'est-ce qu'il aura à dire à Yohanan? Il y a fait assez de thèmes chez Sachartem. Ben, c'est bien, c'est très bien. Tosfot, vous voyez le petit Tosfot, il va poser une question très intéressante. D'habitude, quand quelque chose est permis et que ça commence avec une permission, même si après ça change, on continue d'après la permission. Donc là, à l'entrée de Shabbat, il était là le goy, il n'était pas là le goy. Maintenant, Pétom, le matin, il nous revient. D'accord, nous on a tout organisé, on s'est préparé entre nous, l'autre il revient là. Alors, pourquoi on ne dit pas comme on dit d'habitude, bon bah écoute, puisque ça a été permis, on continue à laisser permis. Elle avait dit non, c'est pas comme ça dans Hérouvin. Dans Hérouvin, c'est pas comme ça. Tellement on veut faire attention à ce que les Juifs ne soient pas à côté de l'idolâtre, que quand il revient, ça nous casse tout. Et c'est pour ça que maintenant on réfléchit, on dit, dis-moi, qu'est-ce qu'on va faire? On est coincé, on a les enfants, on a les livres, on a les chaises, les tables, le repas, on va devenir fou. Alors on dit, bon, écoute, alors essaye de louer de lui même pendant le Shabbat. Donc on ne va pas dire, comme c'était permis d'avant, ça reste. Au contraire, dès qu'il y a un souci, alors on le dit. Et puis surtout que la question, en fait, elle n'existe pas vraiment. Parce qu'un goy, il est très mobile. Un juif, Shabbat, il est bloqué. Hein. Un juif, là où il est, tu peux pas le trouver loin de là où il était. Un goy, c'est très fréquent qu'il revienne. Il est parti, il revient, il repart, il revient. Donc on ne peut pas dire une permission comme ça tellement. Qu'est-ce qu'on a vu encore? Ah! Non, non, je vois que Michel, il a posé la question de Tosfot, en fait. Brina, Michel, j'ai pas capté que tu avais demandé ça. Regardez.
Qu'est-ce que Tosfot, qu'on a dit ici? Tout à l'heure, Michel, il a voulu dire, il a dit, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche du goy? On n'a pas besoin d'acheter de sa propriété. On n'a qu'à faire la technique qu'on se réunit tous chez Ilan, et donc on devient dans le cas de, c'est comme s'il n'y avait plus qu'un seul juif avec un seul goy. Et là, c'est permis. Alors pourquoi on ne fait pas ça? Ah, je n'avais pas vu cette question. Qui? Non, ça veut dire que quand on se met ensemble, c'est que on va tous déposer nos petites ralottes chez lui. Et ça s'appelle qu'on mange chez lui. On n'est pas obligé de l'envahir et de dormir dans son salon et tout ça, non. Mais on va déposer les matzot chez lui. Hazak, Maesh. Alors dans ce cas-là, oui. Dans ce cas-là, on pourrait se débrouiller tout seul. Non, alors vous voyez, de nouveau, les Tosfot, ils disent une grande sévérité. Ils disent non, parce que qu'est-ce que tu fais dans le cas où le goy, il veut pas? Quand le goy, il veut pas, le goy, il est comme le japonais, là, il veut pas. Il a des hors de question. Qu'est-ce que tu fais? Alors la technique de se mettre ensemble pour faire comme si on est un vis-à-vis du goy, elle marche pas dans ce cas. Et non, et tu vois qu'il veut pas, qu'est-ce que tu fais? On peut le faire dans des cas spéciaux comme aujourd'hui. Allez, on y va. Taou ben Nardea. Alors les Nardea, c'est les Juifs de Nardea de l'académie du Talmud là-bas, hein, ils se sont drôlement étonnés sur ce qu'il a dit Rabbi Yochanan. Ou bien Rabbi Yochanan arrive, Rabbi Yochanan socher qui m'arrive d'amé. Il dit mais non, pas du tout. Dans le cas où nous on va se louer, c'est-à-dire qu'on va essayer d'acquérir l'utilisation du goy, Bichlal, comment on appelle lui? Il est comme quelqu'un qui fait le hérouv. Donc s'il est comme quelqu'un qui fait le hérouv, à quel moment on doit faire le hérouv? Avant Shabbat. Et là maintenant il veut le faire pendant Shabbat, donc on voit pas comment Rabbi Yochanan il a pu permettre. Ma'ilav, ma me'arev mi be'odiom, af socher mi be'odiom. Et on est bien d'accord que la comparaison, quand on dit que l'un est comme l'autre, c'est par rapport à la date à laquelle on le fait, à quel moment. Et la Gemara dit mais non, pas du tout. Parce que le me'arev, il a plein de caractéristiques. Il n'a pas seulement la caractéristique de le faire avant Shabbat. Lo, ma me'arev afilu bepachot mishave pruta, af socher bepachot mishave pruta. Non. De la même manière que quand on fait le hérouv, on peut faire du hérouv avec du manger, même si le manger, il ne vaut pas shave pruta. Imaginons par exemple une époque bénie où, mamache, le pain, il ne coûte rien. Un pain, c'est diagourot. Ouais. Maintenant, non, un pain, c'est une agoura. Nagid. C'est quoi la plus petite monnaie? Il ne reste plus les centimes aujourd'hui, d'accord? Il reste 5 agourot. C'est 5 ou 10. Alors on va dire 5. Maintenant imagine un pain. Hein. Un pain c'est 5 agourot. Mais un gros pain comme ça, un pain de campagne de 3 kilos. Maintenant un demi-pain, ça vaut pas une pruta. Ouais. Eh bien si on veut, on peut amener un demi-pain comme ça chez Rami, mais on dit qu'on fait Shabbat chez lui. Donc on voit que pour faire le hérouv, c'est pas obligé qu'il y a Shavé pruta. Alors de la même manière, si on arrive à louer du goy, même pour quelque chose d'insignifiant, il est d'accord avec ça. Eh ben, ça marchera aussi. C'était pour ça. C'est pas pour nous dire que le sorcier, il est comme le me'arev et le me'arev, il faut le faire avant Shabbat. Non, c'est pas pour ça. C'est pour nous dire à partir de quelle valeur on peut faire le hérouv. Alors, pareil pour le sorcier. Sa caractéristique au hérouv, elle s'appelle caractéristique pécuniaire. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça qu'on dit, exactement. Ou ma me'arev afilou sriro velekito. Alors, de la manière aussi, elle dit aussi, af sorcier afilou sriro velekito. Et on a donné maintenant une autre coula. Une chose très intéressante, c'est que, ma me'arev, Afilus Rigo Velekito. Quand on fait le hérouv, c'est pas le propriétaire qui est là, mais c'est son employé à l'année ou son employé saisonnier. Et ils habitent dans la maison du juif. Eh ben, eux, on a donné une grande coula. Quand on veut pouvoir avoir le droit de porter dans nos cours et dans nos ruelles, si eux, ils viennent et ils s'associent avec une petite chala aussi, c'est bon. La vérité, c'est pas les vrais propriétaires. C'est l'employé. Ça veut dire, le propriétaire, il a des champs, et il les fait travailler à l'année, ou pour les vendanges, et où il dort chez lui. Ah, maintenant, est-ce que ça s'appelle que eux, ils vont nous bloquer dans le hérouv? Parce que le rabbi demande, il fait, bon, vous avez fait tous ces hérouvs? Oui. Et là-bas? Non, là-bas, c'est des, quoi, ils sont pas juifs? Si, ils sont juifs. Et alors, pourquoi ils ont pas fait le hérouv avec vous? Ben, donc vous pouvez pas faire le hérouv, tout est bloqué. Il faudrait que vous ayez parlé au propriétaire juif.
Alors ici, ils nous donnent une facilité. Ils disent non, c'est pas obligé le propriétaire. Même les employés qui habitent à la maison, c'est bon, ça fait. Pour être tous dans le héros, ils vont donner un petit pain, et comme ça tout le monde s'est associé, et comme ça on a le droit de porter. Afilus Revelekito. Uma me arev, hamisha shruim, bechatser, achat, achat me arev, aliede kulan. Et encore une autre kula. Dans le din du Hérouv, il y a encore une autre facilité qui est très importante pour nous. C'est que quand on est plusieurs, il y a plusieurs qui utilisent une partie commune, comme la cour. Il y en a par exemple cinq. Alors, quand on fait le Hérouv, on a le droit de faire comme ça. Un du quartier, un des cinq, lui, il vient donner de son pain à lui dans dans la deuxième cour, par exemple. Il y a deux maisons et une cour. Après, il y a encore deux maisons et une cour. Mais c'est maintenant une autre cour. Ah, maintenant, on veut pouvoir passer de l'un à l'autre. Alors, on dit, regarde, normalement, on devrait faire que tous les habitants de la première, ils font le hérouf avec tous les habitants de la deuxième. Non, on est très cool. Et on dit, un, il va de la première cour et il fait le hérouf avec la deuxième cour. Eh ben, c'est bon, il n'est pas dispensé que, on n'est pas obligé maintenant que chacun de la cour, il aille faire le hérouf. Alors, socher namé. On aurait pu imaginer maintenant que le japonais antisémite, qu'est-ce qu'il dit? Je veux faire une transaction avec chacun d'entre vous. Il nous a tué celui-là. Où tu vas tous les trouver? Alors on a le droit de faire ça. On nomme un délégué. Et lui, il va lui louer, et ça marche pour nous tous. Donc on voit que quand Rabbi Yochanan, il a dit que le socher, il était comme un me'arev, ça ne veut pas dire que ça doit se faire absolument avant Shabbat. Dans ce cas-là, ça pouvait se faire pendant Shabbat. Nous, alors, pourquoi tu as dit que ça ressemblait? Pour plusieurs points, comme on vient de voir maintenant. On continue la Gemara. Alors maintenant, ça, cette partie-là, Bezrat Hashem, Besiata Dishmaya. Regardez vos dessins. Vous avez les Gemarot avec les dessins? Regardez les dessins. C'est beaucoup plus facile avec les dessins. Si jamais on les a ici, c'est très bien. Ah non, ils n'ont pas fait les dessins ici. Ah si, ils ont fait les dessins. Voilà. Ils ont fait les dessins. Hein. Page Samer Vav. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on va apprendre ici? Non, ils ont... Non, ils l'ont pas fait vraiment, Boniré. Avec un trou dans le mur là, non? Allez, on va se lancer. Fais voir. Oui, voilà, très bien, très bien, très bien. Alors, on va dire ici. Kol makom sheosrim ou me'arvim mevatlim. On va apprendre dans quelles conditions a-t-on le droit d'opérer un bitoul, donc de faire qu'une des personnes qui n'aura pas arrangé le hérou, il va pouvoir renoncer à sa propriété en faveur des autres. D'accord? Alors, on va faire comme ça. Comment on fait? Fais voir. Oui, pardon, Nahon. Teheba Rabbi Elazar. Nahon, Mechila. Teheba Rabbi Elazar. Amar, mais quoi? Amar Rabbi Zera. Oui. Maïteya de Rabbi Elazar. Alors Rabbi Elazar, c'est un mora. Il dit, je ne comprends pas ce dîne-là, je n'arrive pas à comprendre. Amar Rabbi Zera, maïteya de Rabbi Elazar. Rabbi Zera, il vient, il dit, je ne comprends pas comment il s'étonne, Rabbi Elazar. Amar Rav Shechet, Gavra Rabak et Rabbi Zera, loyada maïteya de Rabbi Elazar. Et vient maintenant Rav Shechet, et il dit, quoi, je ne comprends pas. Un grand homme comme un grand homme comme Rabbi Zera, il vient et il ne sait pas quel était l'étonnement de Rabbi Elazar. Vous voyez, c'est trois niveaux. Alors, Kakashi allait des Shmuel Rabbe. La Gemara dit, mais non, la difficulté qu'il avait, c'était que lui-même, il avait étudié chez Shmuel. Shmuel, de Bavel, c'était son maître. Damar Shmuel, kol makom chez Osrim, ou me'arvim, mevatlin. Me'arvin, ve'en Osrim, Osrin, ve'en me'arvim, en mevatlin. Ici, cette phrase magique, c'est pour apprendre les conditions de Bitoul. Quand est-ce qu'on a le droit de faire un Bitoul? Parce que vous avez capté que le bitoul, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme ils disent les comiques, là. C'est que vous avez fait les roues, non, mais c'est bon, on est tous chez Rachamim. On leur a donné ça, ils ont pris ça. Hein. Le bitoul, c'est
de temps en temps, mais dans des cas difficiles. On n'a pas dit que le bitoul, il est à la place de tout le hérouv. Donc, il y a quand même des conditions. Alors, il faut dire comme ça. Quand nous avons plusieurs juifs ensemble, qui, s'ils n'avaient pas fait le hérouv avant Shabbat, ils s'interdiraient mutuellement le fait de sortir de leur maison pour porter des objets dans les cours ou dans les ruelles. Pourquoi? Parce qu'ils étaient ensemble, ils devaient s'associer et ils ne se sont pas associés. Ça s'appelle Kol Makom chez Osrim. Vous voyez? Disons par exemple, ça commence à deux. Il y a deux juifs. Eh bien, si jamais ils ne se sont pas fait arranger le hérouv avant Shabbat, ils ne peuvent pas porter de leur maison à la cour, tant pis, c'est grillé. Eh bien, maître, ils ont tout à fait le loisir de faire le hérouv s'ils veulent. S'ils veulent faire le hérouv, ils peuvent. Ils peuvent le faire. Ou Mervim, Nahon. Et donc, en ce faisant, ils sont dans le cas où sans hérouv, ils ne peuvent pas sortir des objets de la maison et avec hérouv, ils arrangent. Quand on a ces deux conditions-là, mais Vatlin, ok, alors dans le cas, alors où il est Armand? On tension. Dans le cas où un a oublié, toutes ces affaires-là qu'on apprend, c'est pas comme ça d'habitude. D'habitude, Baruch Hashem, on se met tous ensemble et on s'occupe de Hérouvin. Vous savez que ceux qui enseignent bien Maseret Hérouvin, ils disent qu'il y a un grand scandale. C'est qu'on n'apprend pas ces halakhot. Et les Juifs, ils vivent dans les quartiers où il y a des hérouves, et ils savent même pas avec quoi on a fait le hérouve et où ça se trouve. On a fait le hérouve avec quoi? Des chalotes maisonnant, avec des boîtes de sardines, avec quoi? On a fait avec un paquet de matzot. Ah bon, je savais pas. Chez qui, chez quelle famille, je sais pas. Comme si on a trop materné les gens avec le hérouve, et personne ne sait rien. Mais il y a quand même un hérouve. Il y a un hérouve, bien sûr qu'il y a un hérouve. Mais où il est le héros? Il est mis chez qui? C'est qui la famille? Aujourd'hui, on sait où il est le héros. Et si maintenant, voilà, toi, tu veux qu'on mette le héros chez toi? Pourquoi on pourrait pas? Et pourquoi on peut pas changer chaque semaine? Alors, c'est pour ça que dans ces halakhot, le cas du bitoul, il est seulement quand les choses ne se sont pas bien passées. Ouais. Il y en a un, il n'a pas fait. Aïe, 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 il a bousillé tout le quartier, personne ne peut porter maintenant à l'intérieur des grandes cours, là. Alors, bon, alors on va voir si on peut faire bitoul. Alors déjà, le bitoul, ça ne parle que d'un cas où normalement, si on fait pas bitoul, on est interdit de porter. Et si on fait pas hérouv, on peut pas porter. Et si on fait hérouv, on arrange. Maintenant, Mervin Venosrim. Maintenant, il y a des cas où les gens vont faire le hérouv, mais pourtant, ils s'interdisent pas hein, l'un à l'autre. Alors, on va expliquer de quel cas ça parle. Ou alors, ils s'interdisent, mais ils n'ont pas besoin de faire le hérouv. Oui, par exemple, parce que techniquement, ils peuvent pas faire le hérouv, mais malgré tout, ils s'interdisent. Dans ces cas, le bitoul ne marche pas. Alors, la Gemara, elle va expliquer un par un. Kol makom she osrim u me'arvim mevatlim, kegon shtei chatzerot zu lifnim mizu. Alors voilà, il faut regarder le dessin. Vous avez une cour qui est intérieure à une autre cour. Par exemple, dans la rue, il y a Meacharim, il y a comme ça certains quartiers. Vous avez la grande rue. Ben Noé donne sur une cour. Qu'est-ce que c'est une cour? C'est comme des murs avec dedans plusieurs maisons. Dedans, quand on passe par là, il y a une ouverture, ça donne dans un autre quartier, dans une autre cour, avec aussi des murs et des maisons. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? Ces gens-là, mais ils s'interdisent mutuellement, hein, la cour des premiers, la cour des deuxièmes, ils s'interdisent. Oui? Mais ils peuvent faire le hérouve. Comme ça, ils peuvent passer d'une cour à l'autre. Alors, dans un cas comme cela, si jamais il y en a qui ont oublié, on a le droit d'utiliser la technique du bitoul, ils vont renoncer à leur utilisation, se mettre un peu à l'écart, et comme ça, les autres, ils vont pouvoir profiter. Ça, c'est le premier cas. Vous voyez? Alors, quel est le cas? Les gens de la première cour intérieure, ils n'ont pas fait le hérouf pour eux. Alors, la bichlal, celle-là, eh ben, elle interdit la cour extérieure. Pourquoi? Parce que comme les gens de la cour intérieure, ils ne peuvent pas aller dehors dans la rue sans passer par ceux de la cour extérieure, ceux de la cour extérieure, en fait, ils ont comme résidence ceux de la cour intérieure puisqu'ils ont un droit de passage permanent. Donc ça c'est pas choute. Après, Mervin Venosrim en Mevatlin. Voilà un cas où le hérouv, le bitoul ne fonctionne pas. Quand ils peuvent faire le hérouv ensemble, mais pourtant ils s'interdiraient pas. Alors la Gemara nous dit, ça c'est Shtei Chatzerot ou Petach Echad Beneem, il y a deux cours, et dans ces deux cours-là, il y a une ouverture entre les deux. Et par l'ouverture,
ils vont pouvoir associer les deux cours, les deux quartiers. Ça s'appelle en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils associent un pétard. D'accord? Par le pétard, ils vont associer deux cours. D'accord? Vous comprenez comment ça marche? Oui. Alors vous voyez comment ça marche? Là, comme on a deux cours, mais comme dans les petits quartiers de Mea Shearim ou dans les vieilles villes comme ça, vous voyez, כן, זהו. אז כאן תורנה סיור כמובן, כן, זהו. אבות מבוי, כן. חצרות. נכון, בדיוק, בדיוק. Alors là, maintenant, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu, mais ceux de la cour intérieure, ils passent par chez toi. Donc ne fais pas le snob que toi, qui est de la cour qui donne vers la rue, tu dis, ah, mais moi, je les considère pas cela. Mais tous les jours, ils passent par chez toi, vous n'avez pas fait Hérouv ensemble, vous êtes cuit. Là, maintenant, vous auriez dû faire le Hérouv. Vous n'avez pas fait le Hérouv. Alors maintenant, on va rechercher si le bitoul, il fonctionne. Maintenant, il y a un deuxième cas. Vous avez deux cours, oui, il n'y a pas une intérieure-intérieure, c'est deux cours, et elles donnent toutes, elles donnent sur un mavoï, et chacune, elle a une porte qui donne sur la rue. Donc en fait, le quartier numéro 1 et le quartier numéro 2 ne sont pas du tout liés. Pourquoi? Parce que pour entrer, pour sortir, chacun a sa porte qui donne sur la ruelle. Ils n'ont pas besoin de se fréquenter. Alors là, vous voyez qu'ils peuvent faire le hérouf. Mais pourtant, ils ne s'interdisent pas l'un l'autre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas, de lien, ils n'ont pas de passage. Et alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dit? On dit, oui, eh bien, ceux-là, c'est le cas où ils peuvent faire le hérouf, mais pourtant, ils ne s'interdisent pas. Là, on ne fait pas du bitoul. Deuxième cas, Osrim ven Marvim, ils s'interdisent, et pourtant, il n'y a pas de hérouf. En Mevatlin, Leatou Yemaï. Alors, le troisième cas, il a l'air plus coquin. Akbar fait, tu es d'accord que ça veut dire que c'était le cas, l'avlatouyenochri, ce cas. Pourquoi il a été dit? Il a été dit pour nous amener le cas du goy. Veideitam et etmol. Alors la Gemara, elle dit, attends, viens, on refait la scène. Le goy, il est venu quand? Parce que s'il est venu, hier, eh ben, fallait louer d'hier, l'igormi etmol, on peut le louer d'hier. Et la lave d'atab et shabta. Non, en fait, il est venu pendant Shabbat. Vekatane, osrim, ven mearvim, en mevatlim. Nous avons un cas de deux populations qui s'interdisent l'une ou l'autre et qui ne vont pas faire le hérouf. Oui. Pourquoi? Parce qu'il aurait fallu qu'ils puissent faire le hérouf depuis hier. Mais comme là, comme le goy, il n'était pas là avant Shabbat, ils n'ont pas pu louer de lui. Donc comme ils n'ont pas pu louer de lui, ils peuvent pas non plus renoncer à leur propriété pendant le Shabbat Shmamina. Donc on voit que le cas de quand le goy revient le Shabbat, ça marche pas dans tous les cas. C'est un cas seulement. Alors, Amar Rav Yosef, Lo Shama Eli Ashmata. Rav Yosef dit, je n'ai pas entendu cet enseignement de Shmuel. Mais vous savez que Rav Yosef, la fin de sa vie, il était malade, il est tombé, il avait perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup la mémoire. Mais il avait des élèves magnifiques, il avait Abaye, les élèves autour de lui. Et ses élèves, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils lui rafraîchissaient la mémoire de ses enseignements. Il disait, mais toi, Rabbi, tu nous as enseigné comme ça. Alors, il se rappelait petit à petit. Alors il lui reconstruisait les chidushim. Ah ben Rav Yosef lo shamali ashmata. Il dit, j'ai pas entendu cet enseignement de Shmuel. Ah, quand il y a une cour à l'intérieur de l'autre, alors ceux de la cour intérieure, ils peuvent renoncer à leur utilisation en faveur de la cour extérieure. Je n'avais pas vu ça. Amar le Abaye atamart nielan. Alors Abaye, son élève, il lui dit, non, c'est toi qui nous as enseigné. Mais après, tu as perdu la mémoire. Et tu te rappelles plus, mais tu nous l'as enseigné. Et il nous a dit ici une phrase. Tu nous avais dit, au nom de Shmuel, comme ça, on ne peut pas renoncer à notre droit dans le Shabbat d'un chatser à l'autre. Et aussi, et on ne peut pas non plus renoncer à l'utilisation. Quand ce qu'on est, on n'est pas dans des maisons, mais on est genre, tu vois, une maison cassée comme un terrain vague entre deux quartiers. Alors, vous voyez ici, le bitoul reshout, à quoi il fonctionne le bitoul reshout? C'est, je suis dans un quartier c'est des maisons qui donnent sur une cour, ça s'appelle un khatser,
Et on dit, bah, il nous a oublié de s'associer, ou il n'a pas pu s'associer, ou il n'a pas fait ceci ou de cela. On a une technique. Comme ça, mais on y est net. Bon, ben on n'a qu'à renoncer à notre propriété au profit des autres, au moins que les autres y puissent porter de leur maison à leur cour. Alors on dit, d'accord, ça on le fait quand on est les enfants d'un quartier. On ne peut pas le faire d'un quartier à l'autre. Alors, au début, quand on parle d'un quartier à l'autre, c'est comme si on imagine, on a fait Bitoul Rechout sur Baït Vegan, est-ce que ça marche pour Nakhlaot? Non, aucun rapport, c'est deux quartiers différents. Mais en fait, ils sont collés. Et non seulement ils sont collés, mais ils ont une porte de passage. Alors, comme ils ont une porte de passage, vous n'avez qu'à s'arranger avant Shabbat, vous n'avez qu'à faire le hérouf, vous n'avez qu'à se mélanger ensemble, mettre les matzot les uns et les autres et décider qui vivent ensemble. Alors on a dit dans ça marche pas d'une cour à l'autre, ça marche pas non plus dans un espace qui est un espace intermédiaire et qui est ce qu'on appelle une khourba, comme une ruine, une maison cassée. Alors, Amartlan, Allah, et toi, Rav Yosef, quand tu as oublié la mémoire, quand tu as perdu la mémoire, tu sais, avant, tu nous avais enseigné ça, tu nous avais dit, qui a marché Mouelen Bitoul. Quand est-ce qu'on a dit que ça marchait pas? C'est parce que nous parlons de deux quartiers, deux cours, qui sont collés, comme un mur mitoyen, mais il y a une porte entre les deux. Et alors, et chacun, il donne déjà sur la rue. Donc imagine qu'on veuille pas se fréquenter. On n'a rien à voir avec ceux d'à côté. Pour entrer par de la rue et sortir de la rue, on passe par notre chemin. Pour vivre entre nous, on vit entre nous. Et les autres, c'est comme ça. Ce qui n'est pas le cas où il y a une cour, comme Yacharim, qui est une cour intérieure. Et elle n'a aucun accès à la rue. Elle est obligée tout le temps de passer par la cour extérieure. Et la cour extérieure, c'est aussi un autre quartier. Alors là, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Tu dis, ceux de la cour extérieure, ils peuvent pas faire. Ah, mais nous ne les connaissons pas, hein, les Hungarim du fond. Mais toute la journée, ils passent par chez toi. Ils ne peuvent pas accéder à la rue s'ils ne passent pas par chez toi. Donc vous êtes par nature ensemble. Et il fallait s'associer. Il fallait corroborer cette vie commune. Avalzou, Milifnim, Mizou, Mitor, chez Osrim, Zealze, Mevatlim. Donc dans le cas où il y a les deux cours, mais chacune donne sur la rue, et ils ont une petite porte au milieu, et ben dans le cas où ils ont oublié, on ne peut pas renoncer l'un en faveur des autres. C'est pas possible. Par contre, quand on a une cour intérieure qui donne sur une cour extérieure, qui donne sur la ruelle, étant donné que déjà ils s'interdisent la vie les uns les autres, pourquoi? Parce que il faut qu'ils fassent un hérouv, et que quand ils font un hérouv, ils s'arrangent. Alors dans le cas où ils ont oublié, ils ont le droit de faire la technique du bitoul. Amar le Ana, Amina, Mishmed et Shmuelachi. Alors Rav Yosef, c'est Pélé, Bémet, c'est la reconstruction du cerveau qu'ils font là-bas. Rav Yosef, il a perdu toute sa mémoire. Mais quand il est avec ses élèves, ils lui reconstruisent. Et alors il dit, ah bon, j'ai dit comme ça, moi? Bémet, d'après ce que vous dites, j'ai dit comme ça. Regardez la force de Rav Yosef, il dit, mais pourtant, je me rappelle que Shmuel, il a dit, nous, dans la Maseret Eruvin, on ne va que d'après ce qui a marqué dans la Mishnah. Et quand on a des questions, on n'invente pas. On relit la Mishnah et on voit. Tout ce qu'on est en train d'expliquer, c'est, oui, donc tu comprends, il y a une cour numéro 1, puis il y a une cour numéro 2, puis ils ne se sont pas arrangés, puis ils ont oublié, puis il y en a une donne sur la rue, et donne pas sur... Il n'y a pas marqué Anshe Hatserot, hein. Pas marqué des gens de cour au pluriel. Il y a marqué Anshe Hatser. Donc toute l'histoire ne parle pas de ce scénario, ça ne parle que des gens qui habitent le même quartier, donc ils ont des murs, ils ont quelques maisons, ils ont une cour commune, et comme chaque vendredi Shabbat, on fait « Allez Mordechai, tu n'oublies pas, hein? Allez, on se met tous pour le Hérouv. » Je ne veux pas qu'ils nous oublient. Alors, à cause de toi, on ne peut rien porter. Voilà, Todaraba, Mazal Tov, hein? C'est ça, hein? Kol HaKavod Lecha. Alors là, dans ce cas... Ça existe que je fais. Bon, ben vous savez quoi? Je renonce à moi. Voilà. Moi, je renonce. Je ne sors rien de chez moi. Voilà. Ok. Vous êtes content maintenant? Ok. Donc ça fait comme si il s'était mis en arrière. Et c'est comme si nous maintenant on n'a pas perdu le droit de pouvoir continuer notre association. Mais quand c'est d'une cour à l'autre, non. Ben, jamais on fait ce coup-là de renoncer de l'un pour l'autre de l'autre cour. Velo Anshe Hatserot. Amarle qui Amartlan. Alors, Rav Youssef, oui. Et Rav Yosef, il lui dit, regarde, qui a Martlan, en la nous Eruvin, et là, qu'il chôn Mishnaté nous. Ah, Martlan, non, c'est vrai, le principe, il est vrai. Dans Eruvin, on ne va que d'après les paroles de notre Mishnah.
Et donc on n'invente pas, s'il y a marqué Khatser, c'est Khatser. Mais là où tu as marqué, là où tu avais dit qu'on va dans la Mishnah, comme c'est marqué, c'était pas sur cette Mishnah. Rappelle-toi, c'était sur une autre Mishnah. Shamavor, il est Khatserot qui Khatser les Batim. Il a parlé sur une autre notion. Et quand on apprend en Maseret il y a deux termes. Il y a un terme qui s'appelle Eruvin, Eruvé Khatserot. Et il y a un terme qui s'appelle Shitouf Mavoot. Pareil. Le Eruvé Khatserot, c'est pour pouvoir avoir le droit de sortir de la maison à nos cours. Alors maintenant, quand on va sortir de notre maison à la cour, d'après la Torah, si tu regardes la photo du haut, tu fais, mais tout ça, c'est un Réchout Ayahid. Tu es d'accord que la cour, c'est déjà comme un domaine un peu. Il y a du monde. Ça ressemble un petit peu au dehors. Alors, on veut que tu t'associes pour avoir le droit de porter de la maison à la cour, parce que comme il y a plusieurs personnes qui passent et qui marchent et qui utilisent la cour, c'est quand même un petit peu un domaine public. Bon, d'après les mesures et le domaine, c'est un domaine privé, mais quand même. Alors, de la même manière qu'on t'a dit de faire ça de la maison à la cour, il y a encore une autre étape. Quand tu fais des cours vers les ruelles, ruelles, rues, grandes rues, Réchout Arabim. Donc, on te dit, les mêmes règles, la même précaution qu'il y a de la maison à la cour, tu fais de la cour aux ruelles. Et comment elle s'appelle la rangée de la cour aux ruelles pour utiliser les petites ruelles et les petits passages? Hazak, il s'appelle Chitouf Mavot. On s'associe sur les ruelles ou on se met ensemble pour les cours. Voilà, c'est ce qu'il lui a dit, c'est ce qu'il lui a dit ici. Donc, Nahon, il y avait une phrase comme ça, mais cette phrase, elle n'était pas là-bas. Boufa. On reprend. Amar Shmuel en bitul reshut, mi chatser le chatser. On reprend maintenant. D'une cour à l'autre, on ne peut pas facilement comme ça renoncer à notre utilisation au profit de l'autre. Ven bitul reshut bechorba. On a dit aussi, quand c'est dans la ruine, c'est-à-dire un domaine qui est au milieu comme ça, entre deux quartiers, non plus. Rabbi Yochanan Amar, yesh bitul reshut mi chatser le chatser, yesh bitul reshut bechorba. Ah bon? Et Rabbi Yochanan, il a dit, non? D'une cour à l'autre, il y a des cas où oui, et pareil avec avec la ruine. Vetzricha, alors la Gemara nous dit, mais Shmuel et Rabbi Yochanan, ils n'ont pas besoin de discuter deux fois, ça suffisait de discuter une seule fois, ou dans le Hatser, ou dans le Chourba, on a compris l'idée. C'est que tu passes pas d'un endroit à l'autre. Alors, Beyash Mainan mi Hatser le Hatser, Beamar, Beakamar Shmuel, Mishum de Atash Mishta lechud, Veatash Mishta lechud. La Gemara dit, non, regarde, un Hatser, c'est Béhémet comme un quartier. Tu peux imaginer que chacun, il a son occupation et son utilisation c'est pas commun, en fait. Pourquoi? Parce que chacun, oui, vous avez des murs, vous avez plusieurs maisons, ou plusieurs familles, et vous avez, je sais pas moi, les Hongrois là-bas. Il y a un mur à côté, il y a encore des maisons, etc. Là-bas, il y a quoi? Il y a les Lituaniens. Ouf. Ils se fréquentent pas, ils sont pas ensemble, ouais. Ils sont pas ensemble. Chaque cour, elle sert pour elle-même. Chaque cour, elle sert pour elle-même. Donc, ils se fréquentent pas. J'ai vu ça, j'ai dit les Lituaniens, t'es arrivé? En 2006, j'ai donné Anahon. Et alors, à ce moment-là, c'est bien séparé. Par contre, quand tu vas parler de Khourba, quand tu vas parler de la ruine, c'est pas distinct à chacun, c'est une occupation très commune. Et donc, comme les deux, ils s'occupent de là-bas, hein, donc ça devient comme si c'était la cour des deux, et ben, comme ça devient la cour des deux, chacun il interdit à l'autre, puisque c'est un domaine commun, il a fallu s'associer avant. Alors là, j'aurais dit, Imam Odel le Rabbi Yochanan, qui itmar et modeler les Shmuel Tzricha. Voilà pourquoi on a eu besoin d'enseigner le cas de la cour et le cas de la ruine. Et là, donc on reprend maintenant le cas où on a les deux petits quartiers et on a une ouverture entre les deux. Et alors, aval, mizu, mitor mevatlim. Par contre, quand on est de nouveau dans le cas de la cour intérieure qui donne sur l'autre, donc elle a comme un droit de passage, donc ils sont ensemble, donc ils auraient dû s'associer. Donc comme ils auraient dû s'associer, quand ils s'associent pas, ils s'interdisent. Dans ce cas-là, on va pouvoir faire le bitoul. Rava Amar Afilu Shtechat Serot Zulifnim Mizu Parmi Mevatlim ou Parmi Men Mevatlim.
Alors, on va discuter maintenant comme ça. Abaye dit, c'est pas aussi tranché que ce que vous dites. C'est pas, est-ce que c'est une cour intérieure, est-ce que c'est deux cours avec un mur au milieu. Non. Des fois on peut, des fois on peut pas. Keitsad, voici les cas comment ils s'articulent. Natno iruvan bachitsona. On va poser la question. Où est-ce qu'ils ont mis le pain, les matzot? Parce que le hérouf, c'est beaucoup avec les matzot. Où est-ce qu'ils l'ont posé? Ils l'ont déposé où? Si tu dis qu'ils l'ont déposé, oui, et Natnu Iruvan Bachitsona, donc le matzot, elle se trouve dans la cour extérieure, celle qui donne sur la rue. Vishachar Echad, Ben Minapnimit ou Ben Minachitsona, Velo Irev. Et voilà, il y a un du quartier intérieur ou de la cour extérieure, il a oublié et il n'a pas fait le hérouf. Alors, Shtehen Asurot, dans les deux cas. Dans, que ce soit comme ça, les cours, elles sont interdites. On peut pas. Le hérouf, c'est se mettre ensemble, être tous ensemble, sans oublier. Alors quand il y en a un qui soit d'ici ou de là, et que le hérouf il soit dans la cour extérieure, eh ben ça y est, ils s'interdisent. Et donc dans ce cas-là, on peut pas faire le bitoul. Par contre, Natnu Hérouvan Bapnimit. Par contre, il y a un cas qui est mieux. Quand ils auront mis, ils auront déposé les matzot dans la cour intérieure. Et il y a un de ceux de la cour intérieure, il a oublié de faire le hérouv. Alors là, qu'est-ce que nous avons dit? Shtehen Asurot. Non plus ce cas-là, non plus il ne peut pas aller. Shachar Echad Minachitsona, Velo Irev. Maintenant, si jamais il y en a un de la cour extérieure, lui il a oublié, il n'a pas fait, il n'est pas rentré dans le hérouv. Là, la cour intérieure, elle est pnimit, elle est permise. Pourquoi? Parce qu'on va dire comme ça. On va demander aux gens de la cour extérieure, on dit, écoutez, soyez sympas. Nous, ouais, on veut pouvoir porter entre nous. Tout ce qui nous gêne, c'est qu'on est avec vous, dans la mesure où on utilise votre passage, donc on est considéré comme on était avec vous. Est-ce que vous ne voudriez pas renoncer à votre droit de passage chez nous? Comme ça, nous, on peut au moins voir de porter entre nous. Ah, s'ils sont gentils, ils peuvent le faire. Oui. Ceux de la cour extérieure, ils vont renoncer à leur propriété, leur utilisation au profit de la cour intérieure. Et il n'y a pas besoin. Comment ? Ça leur change quelque chose à eux ? Oui, bien sûr. Ils sortent pas de chez eux pour aller apporter des choses dans la cour intérieure. Ils renoncent à la cour intérieure. Alors maintenant. Mais si jamais la cour extérieure n'était pas d'accord de faire, les gens de la cour intérieure, ils perdraient leur droit puisqu'il leur manque quelqu'un qui n'a pas fait le hérouf. Et donc, ils n'auraient pas le droit de rien sortir de la maison vers la cour. Mais maintenant, étant donné que les gens de la cour extérieure, où ils ont déposé leur matzot, ils ont déposé leur matzot dans la cour intérieure. Donc, Bémet, ça va être considéré comme s'ils étaient les gens de la cour intérieure. Et donc, le fait de savoir là où on dépose le hérouf, c'est là qui nous donne notre statut. Où est-ce qu'on a déposé le hérouf? C'est un petit peu comme si c'était là où on habite. Vechitsona asura. Mais attention, étant donné que chez eux, il y a aussi quelqu'un qui n'a pas fait le hérouf, alors là, hein, là, dans ce cas-là, eux, ils pourront pas. C'est ça la finesse que Rava, il a dit, ah, tatat, c'est pas une question d'intérieur ou extérieur seulement. C'est une question de savoir où se trouve le hérouf et qui a oublié. Des fois, le bitoul, il marche, des fois, il marche pas. Un dernier petit passage. Où ils ont déposé les matzot? Dans la cour extérieure. Et il y a un encore qui a oublié. Et celui qui a oublié, c'est pas grave où il habite. Que ce soit de la cour intérieure, ou ben minachitsona, velo irev, et ils ont pas fait le hérouf. Shtehen asurot. Là non plus, ça marche pas le bitoul. Alors la Gemara, elle nous dit, oui, mais j'ai pas compris. Regarde. La Gemara, elle explique, c'est pas une question, hein, elle explique. Elle dit, Arbar Pnimit, maintenant, il y a celui qui a oublié. Bon, il a bloqué tous les autres. Les man nivtil. Alors, il a envie, il veut aider, il dit, bon, je vais renoncer à ma propriété. D'accord, au profit de qui? Nivtil les bnei Pnimit. Si c'est pour les gens de la cour intérieure, eh ben, l'état les rouveille ou gabayou. Il dit, d'accord, mais on n'a pas mis le hérouv là-bas. Alors le hérouv, oui. Et comment tu veux faire associer tous ces gens ensemble pour qu'ils soient comme s'ils habitaient dans une maison? Mais, oui. Et dit, ils n'auront pas de hérouv à ce moment-là. Ils sont bloqués par ceux de la cour extérieure. Bon, livne chitsona. T'as une autre idée.
Il n'a qu'à renoncer à sa propriété, mais pas en profit des gens de la cour intérieure, mais ceux de la cour extérieure. Il dit « En bitul reshut mi'chatser le'chatser ». C'est sur ça qu'on a dit « Tu peux pas renoncer à un droit dans une cour au profit d'une autre cour ». Ça, on n'a pas voulu. Très bien. Alors la Gemara, elle nous dit… Comment ? Non, c'est... non, 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 pas du tout. Il perd pas sa propriété. C'est uniquement dans le monde de Shabbat, c'est renoncer à l'utilisation qu'on a de sortir nos affaires de la maison vers la cour ou de la cour vers la ruelle. C'est juste ça. C'est comme s'il renonce à son état de pouvoir utiliser. Mais la maison reste à lui. Et tout est à lui. C'est pas Chas v'Shalom que quand quelqu'un il fait bitul reshut. Par contre, entre parenthèses. Le goy, lui, va penser ça. Parce que quand les juifs vont venir et ils vont lui demander des choses comme ça, lui va dire oui, je connais, ils vont me faire le coup de Flatow Sharon et après j'aurai plus de maison et tout ça. Lui, il a peur. C'est fait exprès. Mais chez les juifs, tu peux pas dire, dis-moi, ta maison, tu me l'as vendue, hein? Ah oui, depuis quand? Bah, depuis que Hérouv, Shabbat, quand tu avais oublié, t'as dit, je renonce à mes droits en vos faveurs. C'est que pour Shabbat, c'est que pour arranger l'histoire du héros. C'est pas une vraie propriété. Alors, à quoi il sert le bitoul maintenant de cette personne-là? Il va permettre de dégager les gens de la pyramide qui puissent fonctionner. Alors pourquoi on a dit? Mais la Gemara dit, mais non, mais ça sert à rien. Parce que s'il renonce au profit de la cour intérieure, ça sert pas. Et s'il renonce au profit de la cour extérieure, ça sert pas non plus. Ou l'oyer chola saute. Parce qu'il n'a rien déposé, c'est ça? Le cas, c'est ils ont mis le hérouf dans la cour extérieure. Ouais. Maintenant, il y a un, il a oublié. Voilà. On s'en fiche qu'il soit dedans, la cour intérieure ou la cour extérieure. Ouais. Et les deux cours, elles sont interdites. Pourquoi? Parce qu'il a fait, Non, mais le bitoul, il ne marche pas. Non. Le bitoul, il faut qu'il ait plusieurs conditions pour qu'on ait le droit de le faire. Dès qu'il manque une des conditions, que ce sont des gens qui auraient dû faire le hérouv ensemble et qui s'interdisent s'ils ne le font pas, et que quand ils font le hérouv, ils se permettent, si tu n'as pas les deux conditions, on n'a pas le droit de faire le hérouv. Alors on est dans un cas où Rava il dit, ouais ben le bitoul il marche pas dans tous les cas, même quand il y a les deux cours comme tu as dit tout à l'heure. Hein. Pourquoi? Ça dépend où est-ce qu'ils ont déposé le hérouv, et ça dépend... À qui il voudrait faire son bitoul? Des fois, il veut renoncer, mais juridiquement, ça marche pas. Il peut pas renoncer. Maintenant, quand les hérouvs, ils l'ont mis dans la cour intérieure, et il y en a un de l'intérieur qui a oublié, il a pas fait le hérouv, aussi les deux, ils sont interdits. Et maintenant, il y en a un de la cour extérieure, il a pas fait le hérouv. Alors là, la cour intérieure, elle est permise. Alors, Natnou Hérouvan, on reprend maintenant. Natnou Hérouvan Bachitsona, ils ont mis le hérouv dans la cour extérieure. Et il y en a un, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur, il n'a pas fait le hérouv, les deux sont interdites. Maintenant, la Gemara, elle explique. Pourquoi? Mais parce que Aïbar Pnimit, le pauvre, celui de l'intérieur, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse dans la vie? Il peut rien faire. Les Manifdil, techniquement, il ne peut pas faire de bitoul. Tu voudrais qu'il fasse le bitoul aux gens de la cour intérieure? On n'a qu'à dire, écoute, voilà, au moins les cours, les gens, qu'est-ce que tu gagnes? Il a demandé à l'âne, qu'est-ce qu'on gagne? Et ben, au moins les gens de la cour intérieure, ils auront le droit de porter pour eux-mêmes, de leur maison à leur cour. Mais, qu'est-ce qu'il va faire? Ils vont faire une rupture relationnelle entre eux et les gens de la cour extérieure. Et les gens de la cour extérieure, ils seront interdits. Pourquoi? Ben, à cause de ceux de la cour intérieure. Parce que eux, comme ils n'ont pas le droit de porter dans leur cour, et ben, eux, ils n'en ont plus. Et donc, quand il y a une partie qui a fait le hérouv et que les autres, ils n'ont pas fait le hérouv, ceux qui ont fait le hérouv, ils ont gagné quelque chose pour eux, mais ils interdisent pour les autres. Donc, ils ne peuvent pas être ensemble. Ah, bon, alors, là maintenant, qu'est-ce que tu vas dire? Bien, on renonce. Mais le hérouv, il n'est pas chez eux. Pour que tu fasses des techniques comme ça, il faut que les matzot, ils soient chez toi. Ils ne sont pas dans cette cour, ils sont dans l'autre. Donc, on ne peut pas. Bon, alors, Gemara dit, j'ai une autre idée. Livtil livne ritsona, il a qu'à renoncer au profit de la cour extérieure. Eh ben non, parce que là c'est une autre règle. On peut pas faire un bitoul d'une cour à l'autre. On continue maintenant. Alors aïba ritsona leman livtil. Alors on continue maintenant. Et celui de la cour extérieure, lui il est plein de bonne volonté, il veut faire un bitoul, il veut renoncer. On lui dit d'accord au profit de qui?
Livtil, Livne Chitsona, ah, pour ceux de la cour extérieure, mais on t'a déjà expliqué, Ika Pnimit d'Asra Leyu, les gens de la cour intérieure, ils interdisent aux gens de la cour extérieure, puisque ça s'appelle un endroit qui est interdit à cet endroit, il interdit aussi à l'autre endroit. Bref, ceux de la cour intérieure, ils bloquent ceux de la cour extérieure. Bon, Livtil, Livne Pnimit, dit, bon alors, essaye de renoncer pour ceux de la cour intérieure. Non, en bitul reshut, mi chatser le chatser. Bref, qu'est-ce que la Gemara elle nous dit? Même si elle est compliquée, il faut avoir en tête une chose. Faire bitul reshut, on n'a plus le droit maintenant de dire, allez, c'est pas grave, allez, on va faire un petit bitul reshut, c'est cool. Ma pitom, c'est très rare de pouvoir faire bitul reshut, il faut beaucoup de conditions. Après, natnu eruvan bapnimit ve shachar echad min apnimit ve lo irev shteen asurot. Ils ont mis le eruv dans la cour intérieure. Et il y en a un de ceux de la cour intérieure, il n'a pas fait le hérouf, on a dit les deux, elles sont interdites. Haïbar pnimit, les man niftil, on recommence. Celui de la cour intérieure, à qui voudrais-tu qu'il renonce? Il peut pas. Liftil ibne pnimit, s'il veut renoncer en faveur de ceux de la cour intérieure, ikachit sonad asra leyu, on peut pas. Il y a les gens de la cour extérieure qui interdisent. Liftil ibne chitsona, en bitul reshut michatser lechatser. Chazak. Et, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Non. On est obligé de... En fait, la Gemara de demain continue un tout petit peu sur ce sujet-là. Et après, elle va parler d'un autre cas. Qu'est-ce qui se passe si l'idolâtre, il meurt pendant le Shabbat? À l'entrée de Shabbat, il fallait s'arranger avec le Goy. Et maintenant, il meurt. Alors, où elle est sa propriété dans la cour? Il n'est plus là. Donc, s'il n'est plus là maintenant, peut-être qu'on va pouvoir s'arranger. Voilà, ça c'est la question de demain.